Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Je suis encore très ravi, après un bon moment où nous étions absents de nos studios, très ravi d'être encore à la maison. Donc, nous sommes arrivés après un périple de plus de 10 jours à l'extérieur où nous étions en province, nous étions à Taung, nous étions à Cape Town. Nous avions passé de bons moments où nous sommes en train, comme je vous avais dit, de préparer les choses qui vont devoir voir le jour dans les jours à venir, vers le mois de mars et avril, où nous préparons des choses que nous pensons que ça va encore élever votre niveau de conscience sur notre chère République démocratique du Congo. Merci à tous ceux qui m'ont encore une fois hébergé, tous ceux qui m'ont accueilli chez eux, avec, je citerai ici Dr. Paluku, je citerai le membre de Kiasa Cape Town, Patrick, Moïse et tous ces beaux mondes qui ont fait mon séjour à Cape Town, sans oublier aussi le Mukubwa, le Mushamuka de Ami Beck. Amani qui nous a rendu vraiment notre séjour à Cape Town très bien. En tout cas, nous vous remercions tous. Et donc, nous sommes là encore une fois de plus pour parler de notre chère République démocratique du Congo. Cette émission, cette magazine, la magazine Contact Pro Live, c'est une magazine où nous parlons des solutions. Bande Kobo, Toye Bakayango, bien que nous ne réagissons pas à l'actualité ou quoi que ce soit. Nous sommes en train de réfléchir sur les solutions que notre pays peut implémenter pour voir finalement sortir de cet imbroglio dans lequel nous sommes. Nous sommes en train de parler de 145 territoires, ça fait 2 jours. Donc les émissions que nous avions entamées à parler à Cape Town sur notre pays, nous avions encore martelé sur les 145 territoires. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le point de vue qui est un tout petit peu, qui supporte les 145 territoires, mais à l'interne. Mais nous allons parler de tout ce beau monde-là qui se prépare à l'extérieur et qui se prépare à prendre la relève, la place de Félix Tshisekedi, parce qu'on fait croire que Félix Tshisekedi a échoué et donc rien ne peut plus être fait. Tout le monde se mobilise, ses forces vives. Nous allons en parler. Les gens se mobilisent à l'extérieur pour leur quartier général, à recruter les gens, à se rassembler tout autour de leur mouvement politique. Nous allons en parler aujourd'hui. Donc, le titre, comme vous l'avez lu, « D'où viendra la solution ? Des hommes ou bien des institutions nouvelles ?» Mais avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. Au Katanga, Bakata Katanga, après l'état de siège de Mitwaba, le gouvernement dépêche un renfort militaire. Et puis, toujours au Katanga, après avoir assiégé la cité de Mitwaba, Gédéon Kyungu et sa bande exigent l'indépendance du Katanga. On va sur actualité.cd. Kinshasa, la route Sekomaf sera bientôt praticable. Jean-Tini Ngobila a lancé les travaux de réhabilitation ce samedi. État généraux de la communication et des médias, il est dorénavant certain que plus rien ne sera comme avant, maintenant que nous disposons d'une boussole qui nous guide. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui parle. Congo profond, lutte contre la corruption, le conseiller de sécurité nationale de la Maison Blanche chez Kolengele Eberhant. Et puis, Congo central, Fatshi Amoanda, c'est lundi. On va sur 7 sur 7. Au Katanga, plus de 85 miliciens Mai Mai se rendent à l'armée à Mitwaba. Et puis, le port en eau profonde de Banana offrira beaucoup d'avantages dans le secteur des hydrocarbures, parle Didier Boudimbou. On termine par Radio Okapi.
Bukavu, le gouvernement provincial va démolir les maisons construites sur les conduites d'eau de la régie des eaux. Et puis Ituri, les miliciens du groupe autodéfense Zaïre accusés d'exaction à Walesa Karo. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Voilà, hein, l'actualité est prédominée par cette déchéance. Donc on a finalement chassé Kabound de l'UDPS et tout ça, tout autour. Bandeko bisoto réfléchissaka awa sur les solutions. Nous avions proposé une solution et qui nous pensons maintenant et bandiko zoa ampleur na katia République démocratique du Congo. Mais malheureusement, application est basée sur la monnaie. Les solutions pour les 145 territoires, les projets de 145 territoires ne doit pas être considéré comme un projet qui a besoin d'argent. Apana, Banduku, Nibambie, Kwanja, Kitumoya, Yakweli, Apa. Il est projet à 145 territoires, et si et tout le monde est en Angeléa, Haïko Kusema va tapati à Franga, ma projet à développement, yende fanyike koule kuma territoire, Apana. Projet à 145 territoires, tout n'est situé, mon sens à Kusema, tout réorganiser inchi jou to andike constitution à Mopia. Njo projet il est tout réorganiser inchi pour que batou à la base ba j'approprier ba koué ba mettre ya développement ya ma territoire yabo. Inafa batou ba na ikala pa moya. Mutasikia kwanja ni tie tout ka vidéo kidogo ka un homme habillé en treillis militaire qui essaie un peu de nous dire quelque chose sur les choses exactement qui se passent. Il se proclame général Makanika. Je prends ça au hasard. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de se battre pour que notre pays puisse regagner cette unité. Bazwa ki mando ki ponani. Bande kona tiela bino moi vidéo à moi mouke. Il y a général autoproclamé. Na ebite souki azwa ki général wana wapi men. C'est un homme à Simbi Mandou qui na kote à Est kuna. Aza koloba nini, aza koloba sur likambo ya biloko nyoso tu ezolini. Azo benga batu ba vanda ensemble, bata totala ndeye nini, toko ki ko vanda ensemble pour tobo ngisa mboka na biso. Mboka o toza na ngo biso, toza na kaka na mboka moko. General o azo benga batu alobi, makambo ele kie bele. Alors, moi tout ça dans ma petite réflexion, nous avons fait sortir le projet à 145 territoires. Batu na batu, il faut ba vanda. Ba benga na ba vanda ba loba, nini yango foto sala awa, nini yango tozana yango. Comment est-ce que toko kiko sili sa, ba guerre oze panabiso. Qu'est-ce que nous devons mettre en place pour que makambu oya insécurité et sila na mboka. C'est ça justement que makanika zako loba. Na zako apuye awa teme, il rejoint pratiquement. Onga na zako loba ke batuna, place nyoso place batu bazali. Il faut ba vanda, batu ba benga na, ba loba, non, bandeko. So komi na situation oyo ndenge nini? Qu'est-ce qui se passe? Constitution na biso elobi nini? Toko kiko sala ndenge nini po mutu awa na kati ya territoire na biso a se sentir à l'aise. Pour que mutu na mutu tozala na sécurité na niveau oyo Congo na biso e komi bandeko. Sachez que il n'y a plus personne à l'extérieur qui viendra nous imposer quoi que ce soit. Oyo bazako sala wana bazako perpétuer système oyo bango ba tchaka, système oyo ke mboka ezala diriger kaka na Kinshasa. Et quand on a la tête de celui qui a la tête du pays, ce qui est aussi tout corrompre, système non se collapse, ce système non se cause incontrôlable. Et l'armée, et l'administration, batuna batu, bon mituna kabolobi o batu basala kamusalate, bah o batu bakenda kabatu. Namona ki dernièrement ministre à transport, ce qui chérubé o kende akenda ki kosala ba inspection, na banani na ba bureau, kuna kuti kaka ba bureau ndambuka. L'État n'existe pas, c'est ça que nous devons savoir. L'État existe à Kalisusute. Batou bazo sala na l'État, ezaka ka batou bazo sala na ba ministère ya likolo kuna place mbongo et sur klaka mbongo ko ya ba projet ko yoka ka projet bo, c'est comme ça que vous allez voir na présidence de la République mbongo ezo circuler mbongo ezali on fait croire au président de la République que ezaka ka mbongo mais dans le bureau où le travail doit se faire, Moussa le salam et ça le makate. C'est pour cela que le président Azako Konte Kaka n'a pas conseillé na yepo na kolobake non. Comme Moussa le zo sale mal sous na base, t'es.
Alors, il faut que nous avons un conseiller ou un contrôleur qui action en gai. Et du coup, et puis si il y a un gouvernement parallèle, le gouvernement de Samalou Konde n'existera pas tant que les gens à la base n'ont pas repris le travail. C'est comme ça que nous nous sommes dit, pour ne pas remettre le pays sur le rail, il faut absolument que le président de la République a tapé sur la table. Tout cassé mesure, tout cassé na banani ba système oyo. Lelo oyo pandeko. Toza komona ba parti politique pour na kolobala likambo oyo na ebsa kibino na titre que l'espoir ne viendra pas, le secours ne viendra pas de Congolais de la diaspora. Là il faut tomiko ça. Le secours de notre pays, secours à pays nabiso, et kouta kana libanda te, même de la diaspora congolaise. Toza komona ba certains politiciens baza komi mobiliser ba tout. Oh non, parti nabiso, biso nyonso kaka pona monsieur Kingandi, que monsieur Kingandi ne mutu ya solo. Oh ya kosala boye, ya kosala boye, ya kosala boye za manager yende mutu akosala boye. Ba serendin la ba salon, bazo sala ba recrutement ya ba tout. Ba tout baza koya, baza kolia, baza ko supporter mutu wana, baza ko déifier mutu wana, que mutu wana nde mutu yende mutu akoya ko silisa makambo ya Congo eza komiko. Se puis je me dis batu wana nyonso baza ko bunda pona Tshisekedi akende bango ba kota place wana parce que ils se sont enrichis justement na kati ya système oyo. Ils veulent maintenant être au monopole balingi siko bango nyonso bango nde baza la place wana basa la Congo ba kote kamboka oyo très bien même koleka Tshisekedi. Ce qui to la moussi conscience te batuana o bazako mobiliser batu oh non recrutement bisonde tokoya ko sala eloko moko bisonde ba manager ya solo on crie on veut déifier la personne on fait voir que c'est cette personne là qui est le super homme yende mutoko bande ko to quitter ba biloko na ko ya ko déifier batu. Le Congo ne sera jamais sauvé par les hommes. Oh, nga inde mwana Tshisekedi. Oh, nga inde nazana esprit à Tshisekedi. Té! Ce que nous devons faire, bandeko, na mboka na biso, eza ko organiser mboka de façon que moutoya kolobate ke nga moutou naza boye. L'État, il faut tout faire exister ango. Alors, moutou, oya koya na likambo. Ba mouvement nyonso wana eza kobota mana étranger. Je me suis dit et puis na kopesa bino reportage oyo. Et puis reportage oyo sur kotuna batu idéologie a partir na bino zani. O bozo kumisa o biso nde mutu wana yende mutu aza penza mutu ye akoya kosilisa makambo ya Congo te. Tshisekedi pe aza fils ya aza Félix aza mwana ya Sphinx ya limete. Mais il est tombé dans un système que lui-même n'a pas compris. Batouana pe balingi pe ba kota na système oyo. Ba lia, le changement ne viendra pas des hommes, mes chers amis. Tokoya ko élire président msusu ya sika. Mais tant que toko tika la ka na système oyo, paradigme oyo, changement moko eko sale, eko bota makate. Yangwana toza koloba, bino batou boza ko se mobiliser derrière un homme. À l'étranger bozolo bake yende mtu akoya ko silisa makamunyo ya mabe ya Congo yende mtu akoya ko sala boye yende mtu akoya ko sala boye yende nani na biso aza ko pesa même mbongo bozomo na babiloko ngana za koloba na lobi le bien mal à qui ne profite jamais okomona batwana bazofungola ba biro balobi non tozo sala ba biro na biso o le biro qui ne produisent absolument rien parce que continue à voler na katia mboka. Baza kobwaka mbongo po bakumisa bango bamona ke baza ba populaire et que c'est sur base de la popularité que nous allons voter ces gens-là parce qu'ils sont populaires nde tokito ke na élection en 2023 ça ne sera pas les élections pour changer les choses mais ça sera les élections pour changer les hommes. C'est pour cela que Bozako Mona, Batubaza Kobunda, non, Tokende Kana ba élection. Il ne se préoccupe jamais du changement, il y a mentalité, changement, il y a système Oyo, Zako Kwe Sabiso. La corruption, Nakati a système Oyo, corruption Kotikala, dégagé financier Kozala Kaka,
Attends, ton lobby, oh, toi, tu as IGF. IGF, qu'on a là partout, t'es. IGF, on a qu'on a contrôlé le loi là une fois par tous les deux ans. IGF, on a qu'on a tant à mon bain bon côté. IGF, on a nord qui vous. C'est pour cela que ce paradigme, système, il faut tout changer. Et tout changer, par le projet justement à 145 territoires, il y a qu'on responsabilise la base à Kolobakeno. C'est la base qui doit s'organiser, à tcha IGF dans le territoire, à tcha le contrôle à Babylon, que l'administration ait reprendre comme ça. Batou na base, batou babanda ko sala moussala. Nous allons y arriver comment? C'est par le chemin des états de lieu. Nous allons demander. C'est un mot aux cinq atolobi. Ce qui est comment on a que non? Eza bavire au ya koloba que casser constitution. Tu sais que dit na deux ans au etikali nae. Il doit prendre le courage à koloba bande konga na kokangal sous mon touté. Mais na supprimer parlement, na supprimer constitution, nous devons supprimer cette constitution ici. Parce que cette constitution ici ne nous sert absolument à rien. L'armée doit être absolument à la kakawana, mais l'armée n'a pas eu sa cabine, n'a pas eu sa solution dans l'émission Oye Kolanda Oyo. Je crois dans mardi ou bien mercredi. Comment est-ce que solution y a état de siège Tokoïko Silisayango? Donc, suspension y a Sénat, suspension y a gouvernement où ils ont en place les lots, suspension y a Parlement. Il faudrait que tout ça dans le gouvernement moussoussou où ils ont un état de lieu, y a un territoire. Et que ces gens-là qui sont au Parlement, qui sont au Sénat, ba zonga ti na ba territoire na bango ba kende ko assurer ba assise ba solo ba aider ba administrateur de territoire ya ko organiser justement ba assise wana ba ya ba état de lieu oyo ba responsabilité e ko zalaka donner na batu o ba ko pona manakati ya ba état de lieu wana ya ba territoire. Et nous avions prévu selon notre projet que ba état de lieu wana il faut absorber au moins 300 personnes par territoire selon les notables, selon les tribus qui égorgent qui regorgent tous ces territoires là. Chaque tribu toyebi que non, chaque territoire toyebi ba na ba territoire mususu selon nanana na biso eza na ba 4 tribus, eza na 4 ba mususu baza na 5 ba tu mususu baza na 6 ba tu mususu baza na 7 tribus. Batribuana batuna batuba yebani, ba chef koutumia batribuana ba yebani. Ce sont cela, ces gens-là qui nous devons réunir ensemble na katia ba état de lieu wana ba territoire. Le pouvoir devra être donné à ces états de lieu yakoloba. Ça là, une nouvelle classe politique. Vous allez réfléchir sur l'autorité de l'État. Comment fonctionnera les territoires? Non, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Donc, chaque territoire, il faut pas brosser. Et là, qu'on y ose au Ecolobama na na constitution asika. Donc, dès que nous allons déboucher la constitution en asika, disons, les états de lieux de territoire découleront avec des mesures préventives na batou. Oyo, il faut pas qu'on ait na province.
Si nous avions par exemple 300 ou 350 ou 400 personnes na kati ya ba état de lieu ya ba territoire wana bako se choisir par exemple 20 personnes oyo bako diriger bako banda ko sala recrutement pour une nouvelle administration na kati ya ba territoire bato wana bako assurer na, donc ezana bato o bako assurer administration o bako pona mapona assurance nani assurance nani bako banda misala ya sika na kati ya territoire pona kobanda wana na expliquer yango déjà na lobby il faudrait qu'il soit tout le monde soit être uni sur un projet par exemple à Kotonga le ndako ya administration de territoire bande ko nous devons commencer le pays à zéro toti kana makambo ba parti politique ke batu na batu bazala conscient ba kende na ba territoire na bango ba vanda bazlo ba ke non awa il faut totonga ndako ya territoire parce que territoire ba territoire na biso ezana ndako te nous nous réunissons par peut-être na se abanzete il faut que ces gens là puissent basa la face qu'on ne se donne pas. Tomi pesate que non, kuna banda kwezate. S'il faut que ba se réunir na sanzete, qu'il le fasse. Pour que esprit na koloba que non, territoire na biso etika la nasima, ezala vraiment, et révolté bango lobi, non. Toza awa, toza na quelle richesse, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous allons faire? Et loko nini ango, nani ango toko bengi sa poa sala nini? C'est un peu ça quoi. Donc il faut batuna batuba vanda babanda koyeba eloko nini nango bakosala na kati ya ba territoire wana. Donc c'est un peu ça, il faudrait absolument total ndenge nini batu nyonso il faut ba se réunir. Soki ata na séance été. Soki bako se réunir même na séance été que batuba se réunir. Ba vanda ba yeba ke non na senze tende to sala ki il faut to nganda kwa territoire to zali na eloko moko o eza ko inir biso eza mabele na biso batu mususu baza ko lobena nga o tribalisme o ba ekose nous devons passer par là parce que na ndenge ya ba mini na ndenge ya batu ya muke nde consensus ko ki ko yeba na ko zwama batu mususu ba ki ko lo babo armée ngwe ko sa e ko sale mandenge nini je vous ai dit na ko expliquer bino comment l'armement sera fonctionnel na tango ya ba état de lieu ya ba territoire to solanyo soana eloko kaka tozo senga na mokonzi o aza sika Félix Tshisekedi qu'il prenne le courage de dissoudre le parlement de dissoudre le sénat de dissoudre le gouvernement actuel de prendre gouvernement oyo et ko préparer ba état de lieu babilo kwana ya kala to bon sana yango les états de lieu peuvent nous prendre 6 mois les états de lieu peuvent nous prendre 6 mois et puis to déboucher na constitution ya sika parce que nous allons parler de quoi dans les états de lieu wana pesa sije mususu otokolobela qu'est-ce qui sera discuté dans les états de lieu oyo makambo ba parti politique toko boma yango toko suspendre yango parce que ba parti politique eza ko distraire biso naza ko ebisa bino ana lobi ba tuna étranger baza ko loba oh non parti politique na biso oh mutu na biso bo ça c'est une distraction dans ce même état ya paradigme ya sikoyo bango bazolinga Tshisekedi akende bango ba ya kolia na modèle oh ba tbonyo surtout bazolia awa. Ce n'est pas pour venir développer le pays. Mais les états de lieu vont faire quoi? Va donner responsabilité à l'État. Il y a Batouna à l'État. Batoune Bakoza la Siko et Bakolobate. Nous n'avons pas besoin de partis politiques. Nous avons besoin d'abord d'organiser notre pays. De façon que tant que Tokoloba, parti politique que vous allez agréer, nous saurons comment agréer les partis politiques. Les autres n'ont pas parti politique à mallette. Sur base de popularité, même les gens qui ne connaissent, qui n'ont rien dans la tête, bazako se proclamait que ce sont eux là, ne bazaba chef à parti politique. Bandeko. Yangwana na lobi lelo oyo. Prenons conscience que Congolais n'ont soit prendre conscience que batuo bazako za la recruter na ba parti politique. Oh bisonde, ya bisonde yango, oh nde mokonzi na biso, yende aza spécialiste, yende mutu ayebi, yende mutu ako faire sortir bison. L'homme congolais est censé à être mis dans une structure. Occupons-nous, mutu ya koya na idea koloba structure na nous liboso ya batu.
ye wana nde na banzi ke il faut to supporter. Or les Congolais sont en train d'être distrait ba ko distraire bango ke non bino bo e pa na ngai ngai nde mutu ngai nde chairman ngai nde mutu na za ko sala bo ngai nde mutu na koyela bino nani changement ngai nde mutu na le ngai ngai wana vraiment il faut to silisa yango. Le plan, pour que le Congo sorte de cette marasme, il faudrait que nous puissions créer des institutions qui vont contrôler les hommes. Il faut que Batoubaza la cana structure wana Batouana, ce n'est pas un homme qui doit décider. C'est pour cela que je suis en train de dire que il appartient au président de la République. Courage na ya koloba. Ce qui Batouba koloba keza coup d'état, autant mieux l'assumer keza coup d'état, mais renvoyer tout le monde dans leur territoire, Batouba kende kozwa ba consensus pour na konani, pour na kobongisa mboka. C'est dès lors que dans l'état de lieu wana tango ekobanda déjà, vous annoncez par exemple que chaque territoire est bénéficié na 10 millions. Parce qu'à ce moment-là, Batouna katia ba territoire wana en train de voir comment l'administration kozala ba koyeba ke non. Qui va maintenant gérer les 10 millions? 10 millions ne ko servir na ndenge nini? Et ko kende na ndenge nini pona quelles sont les priorités oyo toza ko faire face à na territoire na biso oto wiko banda koloba ke non. Nous allons contrôler notre économie, nous allons contrôler notre population, nous allons contrôler ba commerçants na biso, nos entrées seront contrôlées. Babiloko na biso qu'est-ce que nous allons donner à la province? Qu'est-ce que nous allons donner? Qu'est-ce qui sera contrôlé par la province? Qu'est-ce qui sera contrôlé par le gouvernement central? Banani na territoire na biso toko tinda na province, banani na territoire na biso toko tinda na disons parce que moi nous avions promis à ce que Batu au tango bakosili sa ba conférence wana ba état de lieu à ba territoire, ils se seront choisi ba équipe gouvernementale à ba territoire et il y aura maintenant d'autres personnes au ba kotindika na côté ya nani ya province. Ce sont ces gens-là, s'ils seront 30, s'ils seront 20, on ne va pas kende ko kozala constituant ya ba province. Na ba province wana si chaque territoire donnait 30 et il faut ils à la pléthore à Batou on va kokende ko bunde la ba intérêt à ba territoire na bango. C'est pour cela que nous sommes dit toza na option ya kutinda soit 20 soit 10 oyo après tango ba kozala ce qu'on a province ba ko se choisir na kati Batou o ba kozala ko kende sikoyo na kati ya nani ya gouvernement central na parlement ya sika. Oyo biso toza ko prévoir que non parlement ya sika et ko ki jamais ko le kaka 200 personnes. Avec les 26 provinces que toza na bango, si nous avons beaucoup, ça sera 300 personnes. Ce qui toza na batu est belé na kati ya parlement, oyo ko débouché na 4e République. C'est pour cela que nous nous disons, voilà un peu le structure yanani ya sika, oyo biso tozo kanisa ke non. Si nous mettons ça en place, et que biloko nyonso za ko fonctionner normalement, notre pays, en principe, devra sortir dans ce marasme économique. La corruption est causée à la mouquée parce que nous aurons mis le système à contrôle et à finance déjà à partir de notre territoire. Et système à fonctionnement, on a aussi à contrôle, on a et causée et comme matatine à la province, tellement que Moutounos auto yebi kaza na province, azar est devable na territoire. Ce qui a salimbe bakuna, c'est le territoire qui peut le ramener ici. Donc, on a la amesure à quoi agréer ma parti politique et c'est là où nous allons définir ma camounion surtout. Donc, courage au tozo senga na président de la République à canceller, à abolir constitution oyo de façon que les états de lieu de territoire aient servir na ko réécrire nouvelle constitution oyo comme ma biso na 4e République. Na suki wana pona lelo, en tout cas, encore une fois de plus, merci, continuez à vous abonner nombreux. Continuez vraiment à soutenir Bissot. Et ça, la seule façon de soutenir Bissot Namsala, Otozo Sala. Si vous vous abonnez, si vous partagez nos émissions, ça nous donne encore envie. Ça nous donne. Et si vous laissez surtout ces j'aime-là, ça nous donne encore. C'est ça qui nous motive encore à faire beaucoup d'émissions et à analyser beaucoup de. Il y a Kopé Sabino Baba analyse Oyo Zakosen. Ici, nous ne parlons pas des gens. Ici, nous ne parlons pas de l'actualité, mais nous apportons les critiques qui servent à ceux qui sont au pouvoir de se dire que non, si nous pouvons aller dans cet axe ici et que nous pouvons appliquer l'idée Oyo et qu'on puisse même abîmer na sortie
y a un marasme économique, il y a une situation haute. La semaine prochaine, disons cette semaine ici, nous avons encore deux émissions, je crois. Nous allons parler de l'état de l'Est, l'état de siège à l'Est. Quel est le plan de sortie que nous envisageons pour que Elokwana et Sila, Misozonyo soit né Sila, pendant Ernini, pendant que nous aurons à faire les états de lieu, il y a un territoire. Parce que nous nous disons, la solution est à l'état de l'Est, il faut et ça cas particulier dans l'Est, ça doit être une mesure globale sur toute l'étendue de la République. Voilà ce dont nous allons parler dans notre prochaine émission. Ne manquez surtout pas le plan de sortie pour terminer la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On se revoit encore très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. On se revoit très bien. Merci encore une fois. Au revoir.